Ok les refs, aujourd'hui j'ai prévu une surprise pour Overtake, mais avant ça on se prépare. J'étais là-bas pour bon courage. J'étais recherché, ouais, j'étais même pas au courant. C'est Terminado. Dernière petite touche parce qu'on va pas attraper froid et on est parti. Il est où mon téléphone? Où est-ce que j'ai mis mon cellulaire? Ah, il était juste là mon téléphone, ok. Aujourd'hui les mecs, je vais faire une surprise à mon pote Overtake. Il m'a aidé sur beaucoup de choses, avec qui je suis allé à New York, que j'apprécie beaucoup. Il y a plusieurs mois de ça, il avait chopé le Covid, il avait fait une vidéo. Il avait dit qu'il aimait pas être seul, et le connaissant, vraiment il déteste ça, c'est l'un des trucs qu'il déteste le plus. En gros, il kiffe beaucoup plus sa vie quand il est avec des gens. Et du coup, au moment où il avait chopé le Covid, je crois, ou un peu avant, un peu après, je sais plus exactement, je voulais aller chez lui et en gros lui rendre visite par surprise. Donc j'avais envoyé un message à son frère, et regardez, hein, ça fait un temps mais colossal, ça remonte. Le premier message au 12 mars. Le 12 mars, je lui avais envoyé un message à son petit frère. On a essayé pendant des mois de trouver un créneau dans lequel je pouvais débarquer par surprise. Là, c'est enfin bon. Avec Théo, on s'est arrangé. Normalement, ça va se faire aujourd'hui. Je suis content. Je vous jure, je suis content. Bon, je suis archi revêt. Comme vous le savez, il aime la sneakers. Et je vais aussi lui faire tester ma nouvelle voiture. Du coup, vous allez voir. Première voiture, les refs. Je vais vous la montrer après. Et il va la tester. On va voir ses ressentis un peu. Je lui ai prévu un petit cadeau. Si vous savez depuis combien de temps j'avais acheté ça. Juste là. En gros, je sais pas si vous voyez, mais c'est les machines qui font léviter les sneakers un peu. Tu mets ça dans ton décor, ça fait un flow de fou. J'avais testé pour savoir si ça fonctionnait bien. Du feu de Dieu. Incroyable. Petit extrait. Let's go. Ok les gars, je viens d'arriver. Je vais envoyer un petit message à Théo là. Ok mon ref, je suis en train d'arriver là. Je sais pas où exactement il est l'immeuble, mais je suis en route là. Je suis pas très loin. Du coup, on va lui dire de descendre les refs, et dès qu'il sera en bas, je vais lui montrer le cadeau qu'il a, et ensuite je le ferai monter dans la voiture, pour vitesse. Je suis jamais allé chez lui, du coup ça va être un peu la DRK ça aussi. Je vais découvrir un peu son appart, ça va être archi lourd. Ok, ok, j'arrive, ouais. Pas mal, pas mal en tout cas l'expression orale de Théo, on aime bien. Je suis excité comme une petite puce, j'ai trop envie de voir sa réaction. Déjà quand il va me voir, parce que je pense pas qu'il s'attende à me voir, si la surprise s'est bien passée, normalement non. Je pense qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le cadeau, on va le ramener ici, on va le tester, et ensuite je vais le faire monter dans la voiture, je pense que c'est plus simple. Un petit peu long le Théo là quand même là. On se gèle les couilles ici hein. L'autofocus de cet appareil pue la merde vraiment. Ça me casse les couilles genre. J'ai envie de me filmer tu vois. Bon là ça a l'air de... Non regardez, regardez. Mais focus. Focus, je suis là en face de toi frère. Oh tu touches ou t'arrives là? Je comprends pas, t'es en train de faire cuire des œufs. Ah regardez-le. Regardez-le. Ouais ça va. Ça va ou quoi? Ça va toi mec. Tranquille. Qu'est-ce que tu lui as apporté? Ah, tu sais pas ce que je lui ai apporté? Non. Ok, bah tu verras en même temps, je pense. C'est un truc pour. Ah, tu m'as fait un truc à moi? Ouais, t'inquiète. Ouais, c'est vrai? Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est t'inquiète. Vraiment pour le meilleur de le passer. Ouais, bah toujours, hein. Du coup, là, il dort, il fait quoi? Là, il est en train de jouer. Il a aucune idée que je sois là. On est d'accord? Aucune idée. J'espère qu'il va être content de me voir, parce que s'il est pas content de me voir. Oh, t'imagines? Ça dit qu'après la vidéo, c'est. C'est compliqué, c'est la première fois que je vais chez lui, hein. Voilà, gros leak de l'adresse, n'hésitez pas à venir. Attends, je monte le tapis, comme ça, il est bien reconnu ça. Là, la vie de ma mère, je comprends pas, tu m'as juste encore le cœur pour ouais. Bas, frère. Du coup, vas-y, j'ai ma voiture et vas-y, viens, gentil. Je suis pire pour annoncer sur Twitter. Mais voilà, par contre, premier degré, je vous jure que rien que sa présence, ça fait bizarre. La dernière fois, on s'est vu. Voilà, je suis voilà, bon, je tiens à toi pour ça. Viens là, mon dono. Hey, s'il y a des abonnés qui viennent chez moi, je vous balaye. Ah, on vous accueille, enfin, ils vous accueillent. Je vous accueille bien, vous inquiétez même pas. Coup de manchette sur la tête. T'as déjà conduit une boîte auto ou pas? Une moto? Une boîte auto. Une boîte auto? Ouais, ouais. Hey, y'a moyen je drift ou pas? Oh, je vais drifter avec la voiture à dodo. Je crois qu'on y est bientôt là. Donc voilà. Genre c'est ta voiture ça? Ouais mais... Vous êtes sérieux là? C'est excellent hein, c'est... Ah, ça y'a boîte auto avec ça. Ouais. Mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est une boîte annuelle, on va tard. Allez, allez, on décale. Ça veut dire si j'avais acheté cette caisse là, vous seriez vraiment foutu de ma gueule genre. Ouais. Wouah ah, ça pète sa mère. C'est quoi, comment qu'on ouvre le coffre? Tu fais ça. Ah. Vas-y, t'as comme d'hab moi. T'inquiète, il a l'habitude. Il a l'habitude, hein. Il y a rien de gros. L'habitude de quoi?
Bah je les balade dans le camp. Après j'ai des V-Bucks. Ouais, mais je comprends pas, je suis en Néo là, tu fais confiance Martin. Non mais attends, c'est la surprise. Ce qui fait la surprise, c'est toi ou c'est moi? Laisse-le, il est bien là. Laisse-moi visiter la voiture. Ok, vas-y. Mais pourquoi on l'a mis dans le camp, hein? Je comprends pas. Parce qu'il a l'habitude d'aller dans le camp, c'est okay. Sa place à lui. Okay, c'est sa place. Ouais. Bizarre ambiance. C'est de quelle année? 2011. 2006. Franchement, elle est mlaque de fou. Il est V-Bucks. Vas-y, descends, bouge-toi là. Je l'ai trouvé là. Oh ah non, c'est celui qui continue. Let's go! T'as pas le permis là? Il est pas sur moi, mais si, c'est si, en photo. Tu l'as. Ah, mais si, je l'ai, mais c'est-à-dire. Ouais. C'est-à-dire, ah, si je l'ai passé? Non, t'as ton permis là. En photo, ouais. Ouais, non. Non, t'as passé ton permis, je veux dire. Oui, ah oui, bah oui, il est pas à l'aise. Il a passé son permis, le mec. Ah, son cœur il bat à la chamade. Non, franchement, la voiture, elle est mlah de fou, les gars. Petite boîte auto, feu automatique. Ah, franchement, c'est une dinguerie. Là, je suis kécho. Tu vois quand tu m'as dit achète un transmetteur? Ouais. Ah, là, le petit transmetteur. Ah, putain, je vous jure, les gars, voilà, premier degré. Non, eh, les gars, la gueule qu'elle adore et la gueule qu'elle a à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Genre, elle est belle à l'extérieur. Belle à l'intérieur, genre, elle est en giga flow. Je me permets de. Mais mets-toi à l'aise, c'est ta caisse en fait, voilà. Tu veux l'assurance, tu la payes? Ah, mais c'est ça la surprise, c'est sa voiture. C'est ta caisse, let's go, rentre pas la voiture dans un mur. Ah, il est pas serein. Ouais, je te jure. Moi, je te mens pas. Premier degré. Je n'aurais pas été à l'aise de donner ma voiture comme ça. Non, en vrai, je comprends la pression. Moi je l'aurais eu au max. Moi. Tu sais, j'ai acheté combien? 6000 euros. Écoute, frérot, si tu veux reprendre le volant, dis-moi. Ici, je vous le dis, ici, j'ai failli mourir. Premier degré, j'étais à 90. Vous voyez la priorité à droite là? Ah, celle-là? Ouais, j'ai pas calculé. Une voiture qui arrive à toute patate. J'ai mis un coup de volant sec, je me suis mis sur la voie de gauche. T'es un mec dangereux. Hein. Ah, tu sais que j'ai failli faire un accident de fou ou pas? Non, avant-hier, je suis parti à l'aéroport. En gros, je roule, je regarde les panneaux d'en haut pour avoir la bonne sortie. Ouais. Et je fais pas gaffe, mais je vais m'enfoncer dans une voiture. Et après, mec, dernier instant, vraiment, j'étais dans Fast and Furious, j'ai mis un gros coup de volant sur la gauche. Et j'ai remis un coup de volant parce qu'il y avait encore une autre voiture. Et mon frère, il m'a fait, ouais, je vais à l'aéroport, je suis dans un film. Il y avait ton frère avec toi? Ouais, frère. Il a paniqué. Hein. Tu sais que j'ai fait un accident. Je vais acheter un McDo. Honnêtement, ça, c'est pas mon délire les golf. Mais là, j'ai tiré. Attends, par contre, c'est normal la clé, j'arrive pas à l'enlever. Attends, peut-être j'appuie sur le fond. Ah, faut mettre en P, ouais. Ben, j'ai fait une dingue là. Ah, tu sais que tu m'as fait peur là. Ah oui, t'as essayé de faire. Oui, ma gueule, je pensais que j'allais jamais recréer ma clé. Messire. Monsieur. Messire claquette. Tu peux filmer tes claquettes tout de suite? Voilà, ça c'est la dégaine, les mecs. YouTube. Vous faisiez pas des vidéos Fortnite? Si, ouais. C'est quoi ton TikTok? C'est quoi ton TikTok? Non. Voilà, super, let's go, allez, like. Ok, montre un TikTok n'importe lequel. Il est chill, Vas-y, quand toutes les meufs critiquent notre cité. Voilà, ici c'est les bracos ici. Mais oui, attention, ils sont dangereux. Captez, là c'est bon. Mais ils sont dangereux. Captez, là c'est bon. Allez, likez MSN94V. On peut pas le moment, on est là. Ouais, t'inquiète. C'est UMS. Vas-y, les refs, bon courage. Allez, likez. Attends, tout ça là? Ouais, c'est à toi, ouais. Attends, c'est quoi ça? C'est cadeau? Ouvre là, la maison, ce sera plus simple. Ok. Allez, let's go, direct sur la maison. Allez, on y va. Hey, regarde-moi. Ouais, Smaïl, du coup, c'est. Il y a la hnouche. Waha, il y a la hnouche. Fini les plichés. Là, retour à la casa avec El Famoso Colis. Je vous jure, les gars, j'ai même pas la once d'une idée. Enfin, j'avais une idée. Je me suis dit, au pire, je pense que c'est une PR. Après, on a un ami ici présent, Kael. Quand il a vu le colis, il a vu marqué black ici. Et du coup, ça veut dire qu'il y a plusieurs couleurs. Ça m'aide pas, mais je sais juste du coup que c'est pas une sneaker. À part ça, vraiment, j'ai aucune idée. Mais vraiment, même pas, ne serait-ce que. Ou alors c'est de la sape, ou alors c'est des vêtements. Donne des indices. C'est lié à la mode et aux sneakers. À la mode et aux sneakers. Là, quand tu me dis ça direct et c'est pas une sneaker, genre une boîte de rangement stylée, genre en verre ou un truc comme ça, genre. Ah Ça. Honnêtement, je pense que c'est ça. Si t'es déçu, je me prends. Mais je t'ai dit, voilà, juste que le fait que tu sois venu, je suis même. Tu sais que moi, ils m'ont pompé pour me rendre. Attends, c'est quoi là? Pour moi, là, honnêtement, je reste sur ce que j'ai dit, vu le poids que c'est. Ok, j'ai donné un indice en plus, je pense que tu l'as déjà vu ou entendu parler, c'est sûr. C'est un accessoire, genre? Tu vas voir. Je dis plus rien. Attends, mais frère, tu sais que moi, ça m'intrigue. Tu sais que moi, je kiffe savoir au préalable ce que c'est, genre. Tu sais que je kiffe deviner. Moi, j'aime bien vous voir essayer de deviner. Frérot, y'a pas 45 trucs, genre. Si t'es pas dans la basket, ça te sert à rien. Et genre, où j'aurais pu le voir, genre déjà? Eh, vas-y, ouvre là, c'est bon. Il pose trop de questions, lui. Je vois un nouveau truc où ça pourrait être. Genre, Michou, je crois, il en a un dans son décor. C'est un truc, genre, tu mets un aimant, si je dis pas de conneries, dedans. Et ça soulève la sneakers. Genre, ça. En vrai, je vois pas ce que ça pourrait être. Soit ça, pour moi, je reste sur l'idée de base, c'est le truc en plexiglas. Ok. Pour moi, c'est ça. Ah, putain. Tu sais que, ouvrir des trucs, quand même, ça reste la meilleure excitation du monde. C'est mieux, frère, t'es là. C'est-à-dire que tu peux mettre une boîte vide et me dire, dedans, y'a un truc de ouf. Je vais être excité de ouf. Voilà, j'adore. Là, dès que je l'ouvre, je sais c'est quoi. Est-ce que je peux l'ouvrir et ne pas regarder? Je
sais pas, non, ça va être chaud. Non, c'est en... c'est fragile ou pas? Je sais pas, en vrai, moi. Lui-même, il sait pas, il est pas aussi cool, ça a pris. Bah, ouais, je sais pas, attends. Je saurais pas deviner. Là, je regarde pas, je ne regarde pas. Attends, 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 attends. On a bien mon petit. Là, je pense qu'il peut pas savoir, en vrai. Là, il peut encore deviner vite. Vite fait. C'est un devinable. Vas-y, c'est bon, tu peux regarder. Ouais, vas-y. Attends-toi. Tu parles pas du tout. Je touche, touche, touche. Je t'ai pas touché. Je parle pas du tout. Ou regarde pas la notice. Si, c'est bon. Ah, si, c'est bon. Merci Prion, merci. Tu l'as deviné, ouais, j'ai l'air. Putain, la dinguerie. Putain, mais tu sais que c'est une dinguerie. Je l'ai testé, ça m'a. Merci, merci beaucoup, mon frère. Là, ça me fait grave plaisir. Mais c'est une dinguerie, frère. Oh, je suis choqué. Bon, attendez, on va lever le bureau. Là, la zébra, moi, je kiffe. Attends, attends. Oh non, prends la Air Max One. Ouais. Attends. Jordan. Ah, c'est ça que Jordan, ça aussi. Est-ce qu'elle va tenir? Fais voir les mains, il est où? Avec une Jordan, t'avais testé. Oh, il y a de la lumière. Ah, il y a de la lumière, carrément. Ah, mais c'est une dinguerie. Est-ce que ça, ça va suffire pour faire tenir la personne, la vraie question? Tu vas faire l'inverse, du coup? Ouais, l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire? Tu mets les mains dans. Ah, ici. Comme ça, ouais. Ah ouais. Mais what? Ouais. Attends, 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 parce que là je crois que c'est mal mesuré. Parce que normalement elle lévite là, elle lévite pas. Voilà, elle lévite pas. Ah, ici c'est des petits genre. Ouais, ici t'as plusieurs boules. Des petites bouboules. Une. Tu les tiens? Ouais, tu les tiens. T'en mets deux, mets-en deux. Vraiment, ça fait longtemps, je m'en rappelle plus exactement. Relâchez doucement. Ouais, non, ça marche pas avec les boules. Attends, ah, ça y est, j'ai compris. Non, ça y est, j'ai compris. Les boules en fait, c'est fait pour repousser la paire vers ouais, le bas. Oui. Je pense que c'est ça. Ah, faut mettre un poids. Bah oui. Bah, oui, oui, bah, c'est ça. Et ça, c'est un poids. Ah non. T'as vu? Voilà! Voilà, dingue! Oh! Petit. Ah oui, ça rend bien. Ouais, ça rend trop bien, frère, ouais. Avec la lumière et tout. Ah, c'est une dingue. Attends, yo, mon téléphone, je vais faire une story là. Attends, je. Let's go, la story, let's go! Let's go, la story! La story, la story! Mais du coup, tu m'as dit la paire, elle est trop grosse, ça va taper le truc? Ouais, en gros, regarde quand, ouais, regarde, quand ça tourne, ça fait ça, tu vois. On change de paire? T'as des grands liens quand même. Regardez-moi ça là. Regardez-moi cette dinguerie. Yo, mon téléphone, je vais prendre une story. Ah, c'est fou. Attends, attends, attends. C'est un truc de ouf quand tu la vois l'éviter, wesh. Ah, c'est une dinguerie, frère. C'est la frappe atomique. Et je... Franchement, tous ceux qui kiffent la sneakers, vous êtes obligés d'avoir ça chez vous. Et vous êtes obligés. Parce qu'on a tous une paire sentimentale qu'on kiffe. Ouais, voilà. Voilà où elle doit finir, vous faire. Bon, les gars, retour à la maison. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, 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 abonnez-vous. Voilà. Le gratteur sa mère. Mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Et dites-moi qui est-ce que vous voulez voir tester ma Golf 6. Histoire de l'envoyer en enfer. Le seul endroit où je veux l'envoyer, c'est dans les champs. Voilà, ça c'est dit. Ciao les mecs, c'était UMS. Bisous tout le monde.